là, c'est une aventure avec des castors et tout. Il est tout seul, Yakari ? Non, il a son petit poney. Comment il s'appelle ? Petit poney. Ah, les premiers livres, ils vous laissent des souvenirs et des héros plein la tête. Bah, des histoires qui racontent Titeuf et tout ça. Titeuf ? Pourquoi Titeuf ? Parce que j'aime bien et ils font des grosses blagues. Il y a bien sûr l'architecture de la bibliothèque. Elle peut être une véritable invitation. Évitez aussi les longs silences et les pas feutrés pour démarrer dans une ambiance plus ludique. C'est un plus, mais cela ne suffit pas toujours. Il faut déjà que par la couverture, les couleurs, le graphisme, le type de papier, la typo utilisée, on soit déjà en sécurité à 80%. Et ça joue pour nous tous et pour les enfants bien sûr. C'est pour ça que chez les enfants, le phénomène de série est très sécurisant. Parce qu'ils vont retrouver le même héros. Donc, en fait, ils sont déjà sécurisés par ça. Et oui, l'apprentissage de la lecture est loin d'être facile. À la rescousse des événements, comme ici cette exposition autour de la fameuse Alice de Lewis Carroll, celle qui fait des merveilles. On leur a montré déjà le dessin animé, et après on leur a montré le livre. Et ils ont essayé de retrouver des similitudes pour après raconter à leurs copines ou à leurs copains, enfin plus à leurs copines. Et si le plaisir de lire ne vient pas, usez alors de stratagèmes pour continuer l'aventure. Parfois, quand elles me sollicitaient, quand elles étaient petites, pour jouer, pour faire des choses, j'étais dans le canapé avec un livre, je disais, plus tard, pour l'instant, je suis occupée, je lis. Et en fait, je pense qu'elles se sont dit, qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant que moi, petite personne centre du monde, dans ces livres, pour que maman ne jette même plus un œil sur moi. Et je crois que c'est ça qui, très tôt, les a amenées, les deux, à aller regarder ce qu'il y avait dans les livres, de beaucoup plus intéressant que leur petite personne. N'oubliez pas, on lit de tout, comme on mange de tout. Des rideaux fleuris, mais tout à coup...